permet d'inviter, nous donne rendez-vous avec une veillée de délivrance, de guérison et de paroles prophétiques. Monsieur Willy Dombo pour nous en parler. Monsieur, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci en tout cas pour l'honneur que vous nous offrez ce midi. Nous sommes là aujourd'hui eh bien, pour apporter une parole au corps de Christ, pour apporter une parole à toutes ces personnes-là qui sont aujourd'hui en quête d'emploi, qui sont aujourd'hui eh bien, à la recherche d'un mieux-être. Vous savez, la mission des vaillants guerriers de l'Évangile, dirigée de main de maître par le révérend, l'évangéliste Ferdinand Faya, depuis maintenant un mois, c'est-à-dire depuis donc le 5 septembre jusqu'au 29 octobre, organise un grand moment de prière et d'évangélisation pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Et le thème, eh bien, c'est « Après l'ouverture du tombeau, la voix des hommes et des femmes se fait entendre ». Il faut savoir qu'aujourd'hui, eh bien, vendredi 4, sur le coup de 20h, nous allons donc assiéger, permettez-moi l'expression, le terrain du marché de Belleville. On connaît tous le marché de Belleville hein, pour ses friperies et autres, tout ça. Le marché de Belleville, sur le coup de 20h, le terrain tout juste en face de la boulangerie Top Pain. Il y aura énormément d'attractions au cours de cette veillée. C'est une veillée de proclamation, c'est une veillée eh bien, de délivrance. Vous savez, généralement, on a pour habitude de faire la publicité. Il y a plusieurs personnes qui vont intervenir. Là, plusieurs personnes vont intervenir très rapidement. Je serai très rapide. Parlant de ces personnes, eh bien, nous aurons comme orateur la prophétesse Sarah Eponon, la prophétesse Naomi, le prophète Enoch, l'évangéliste Williams. Et permettez que je puisse m'arrêter un instant sur l'évangéliste Williams qui a un puissant témoignage. Il faut savoir que cet homme-là, hier, qui ne servait pas Christ, a été victime d'une agression, d'un braquage et a reçu une balle en plein visage. Il n'était plus de ce monde. C'est un miraculé. Dieu merci, c'est un miraculé. Et aujourd'hui, donc, il sera là tout à l'heure. J'ai bien envie de lui laisser la parole, mais je pense qu'on n'a pas assez de temps. Si vous avez envie de partager son témoignage, eh bien, l'occasion vous est donnée de venir ce soir. Nous aurons aussi des chantres invités. Nous aurons Jodel Clémence, nous aurons Dan Kuchiz, le chantre Salomon C, Nana Ewing, Fabrice Plinguet, le chantre Paul Charvy, et puis aussi le chantre Germain Kuiper qui est présent ici très rapidement. Si on a un bout de temps qui va nous dire deux petits mots. Ça va être un demi-mot. Ce vendredi, à partir de 22h, je viendrai avec mon orchestre et chanter à la gloire de Dieu, tout simplement. Et il faut aussi préciser, merci au chanteur Germain Kuiper, il faut aussi préciser qu'il viendra avec une exclusivité de son nouvel opus. Très rapidement, Mariam, avant de partir, il faut aussi préciser que le révérend Williams, ici, miraculé, qui a reçu donc une balle à bout portant, en plein visage, et aujourd'hui qui est là pour témoigner à une œuvre sur le marché, baptisée de la vallée de l'ombre de la mort au sacerdoce. Et je pense qu'il pourra peut-être... ils veulent vous l'offrir ce midi-là, afin de pouvoir donc partager son témoignage avec vous. Et qui sait, peut-être, si on a un peu plus de chance demain, on aura l'occasion, pourquoi pas, de revenir ici et décortiquer là, cette œuvre-là. Voilà. D'accord, très bien. L'œuvre est baptisée de la vallée de l'ombre de la mort. Je pense que c'est un témoignage très important. C'est ça. Et puis, c'est une transformation même que vous avez eu à subir. Très bien. Alors, vendredi 4 et 18 octobre, qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui déjà, vendredi 4, on l'a dit, venez nombreux sur le coup de 20h au terrain du marché de Belleville, en face de la boulangerie Top Pain. Vous aurez beaucoup, Les repères, la publicité, la publicité. Et le 18 octobre, qu'est-ce qui se passe? Le 18 octobre, eh bien, nous aurons encore une deuxième veillée. Ce sera donc jusqu'au 29 octobre 2013. Des téléphones? Des téléphones, très rapidement, je vais me faire fort de les donner. Le 55 65 55 83. 66 82 14 80. D'accord. En tout cas, j'espère qu'il reviendra, l'évangéliste William Oladeji. D'abord parce que c'est un témoignage fort impressionnant. Une balle en plein visage et puis il s'en sort avec un visage normal. Et d'abord en vie, ensuite un visage normal. Ça relève du miracle. Donc je pense qu'il a beaucoup de choses à dire. Et puis en tout cas, merci pour l'œuvre. Merci aussi pour l'honneur que vous nous offrez. On en profite en même temps, par la même occasion, eh bien, pour vous offrir votre invitation pour ce soir. En tout cas, merci. Venez nombreux. Venez nombreux et que Dieu vous bénisse. 58 35 80 98 05 55 38 24. Merci. À vous, merci. Monsieur Sylvain Tala. Monsieur, bonjour. Bonjour, Marianne. Docteur Etiassé, dont vous nous parlez très souvent, il est avec nous aujourd'hui. Bonjour à vous, docteur. Bonjour, madame. Nous parlons de croisade de prière, de délivrance et de guérison. Absolument, Mariam. Jour J-1, on va dire, puisque c'est demain, samedi 5 octobre 2013, que la grosse batterie va être déballée du côté du lycée moderne La Colombe de Koumassi-Ramblais.
L'occasion qui nous réunit, c'est eh bien, cette grande croisade de prières, de guérison et de délivrance organisée par le cabinet du docteur Etiassé, qui est à mes côtés, sur le thème Marie Notre-Dame de Victoire. C'est le lieu de rassembler tous ceux qui ont des problèmes de tout genre, parce que Marie ne fait pas de distinction pour ses enfants. Et justement, quand la tête est là, le genou ne on porte pas écoute, le chapeau. Et il y a aussi le chantre Germain Caillepard qui sera de la partie demain. On va conclure avec les chantres invités. Oui. Mais vous allez, s'il vous plaît, lancer l'appel. Oui, et si vous voulez inviter le docteur Etiassé, j'invite toute la population d'Abidjan et d'ailleurs à venir demain au lycée Moulin de la Colombe. Une heure de 9h à 15h. Ceux qui étaient là le 3 août savent ce qui s'est passé. Mais demain encore, c'est l'apothéose. C'est le mois de rosaire. Ne vous pas raconter. Venez expérimenter l'intercession de la Vierge. Merci, madame. Très bien. Amen. Eh bien, vous avez des chantres, dont M. Germain Caillepard. Germain Caillepard sera là pour une prestation comme il a l'habitude de le faire. Et donc, nous invitons tout le monde à venir de façon massive parce qu'il faut venir pour voir la chose. Il faut venir vivre cette expérience. Et c'est où déjà le lycée moderne La Colombe? Lycée moderne La Colombe, Koumassi-Ramblay. Je le dis, en partant de la voie du carrefour de la paroisse Sainte-Bernadette, vous entrez dans le Ramblay et sur la droite, il y a le carrefour Colombe. Sur la droite, vous trouverez le cabinet du docteur Etiassé. Très bien. Des téléphones, s'il vous plaît. 21 56 35 17 45 98 11 60. 21 56 35 17 47 98 11 60. À cela, un site web est ajouté. Oui. www.messagerdelavierge-marie.com. Donc, et c'est demain. C'est demain. À partir demain, de 9h jusqu'à 15h, ce sera de la prière et de la délivrance, de la guérison sur toute la ligne. On vous invite à venir massivement et que Dieu nous bénisse. D'accord. Je vous remercie. Merci à vous. Merci, docteur. Notre invité suivant est l'évangéliste Timothée. Ça fait bien longtemps. Bonjour à vous, évangéliste. Vraiment longtemps. Bonjour et que Dieu vous bénisse. Amen. Sommet de prière national. De quoi s'agit-il? Nous avons, depuis plusieurs jours, annoncé ici sur les plateaux de la RTI. Il s'agit de l'arrivée de l'archevêque Duncan Williams, qui nous arrive du Ghana, pour, comme vous l'avez annoncé en grand titre, l'objet, un grand sommet national de prière. En effet, la caravane des aigles, conduite par le serviteur César Cassier, qui reçoit avec tout le corps de Christ, c'est un programme fédérateur, parce que toutes les églises nous mettons ensemble pour pouvoir inviter l'homme de Dieu, qui est comme un père. Comme je le dis, un village sans vieillard n'est pas un village équilibré. Et nous croyons que recevoir un père, c'est comme un coach, c'est comme un mentor qui vient nous donner par sa sagesse et par la grâce de Dieu sur sa vie pour nous permettre de pouvoir avancer. Et nous savons que dans la vie, souvent, il y a des situations qui arrivent qui nous amènent à avoir un peu de doute. Mais on se rend compte que quand notre foi est en Jésus-Christ, en Dieu, nous avons un espoir pour l'avenir. Et c'est pourquoi souvent, quand je parle, je dis, un baobab qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Parce que dans la forêt, il y a beaucoup de baobab, mais ça pousse en silence. Donc en nous, les hommes peuvent nous regarder, nous juger. Parce que beaucoup tirent vite une conclusion sur la destinée des individus. Mais on se rend compte qu'à la fin, on finit par mal juger. Parce que Dieu est en train de faire un travail que personne ne tellement ils ont une mauvaise idée. Arrêtez. Sur toi, ils ne voient pas le bien que Dieu est en train de faire. Donc, notre pays, la Côte d'Ivoire, Dieu a restauré ce pays. Dieu a encore de grandes choses à faire. Et donc, le programme démarre le mercredi 9 octobre à 18h, la première soirée, à l'hôtel communal de Cocody, sur l'esplanade, parce que nous allons occuper, nous attendons plus de 20 000 à 30 000 personnes qui viendront de la Côte d'Ivoire, de l'intérieur du pays et des différents pays limitrophes. Et le jeudi matin, jeudi 11, de 9h à 13h, à la Bourse du Travail, nous donnons rendez-vous à tous les hommes de Dieu, les servantes et les serviteurs de Dieu pour la première édition de l'école du ministère, c'est à la Bourse du Travail. Et le jeudi soir, de 18h à 22h, nous revenons à l'hôtel communal de Cocody pour la deuxième soirée de croisade. Et enfin, le vendredi 11 octobre, de 9h à 12h, à la Bourse du Travail de Trècheville, la deuxième et dernière rencontre avec l'archevêque sur l'école du ministère. Et n'oubliez pas, pour les tickets qui donnent droit à un diplôme signé des mains de l'archevêque de Camp William, les inscriptions se font actuellement où je vous parle. Vous pouvez venir à l'hôtel communal, au premier étage. Il y a un secrétariat permanent qui est là. L'entrée est 10 000 francs pour l'école du ministère, qui nous donne droit à un certificat signé des mains de l'archevêque de Camp William. Et enfin, la clôture est le samedi 12 octobre
de 9h à 13h. C'est un dîner d'affaires à l'hôtel Bellecote à la Palmeraie, au programme 5. Et là aussi, les tickets sont à 15 000 par couple, par individuel, et les couples à 25 000. Donc, mm-hmm. je voulais dire que l'archevêque Duncan William vient en Côte d'Ivoire. Tout le peuple de Dieu, nous devons nous mobiliser, nous rendre pour ceux qui veulent assister à l'école du ministère, à l'hôtel communal, tous les jours, ouvrable de 8h à 18h, et aussi pour le déjeuner des hommes d'affaires. Mm-hmm. Et je crois que Dieu nous bénira. Nous prierons pour notre pays, prierons pour nos autorités, prierons pour l'Église, et nous devons nous attendre à ce que Dieu commence à commencer quelque chose de grand dans notre pays. Et Dieu nous bénira, prierons pour d'accord, les familles aussi. Très bien. Et donc, Myriam, c'est le message de paix que je suis venu annoncer ce midi pour inviter tout le peuple de Dieu à être là pour recevoir l'archevêque Duncan William, qui est un homme que Dieu a béni. D'accord. Je crois qu'on ne fera pas l'apologie personnelle, mais nous dirons ce que le corps de Christ recevra par l'arrivée de cet homme en Côte d'Ivoire. Et nous avons des contacts. Bien sûr. Le 22 47 50 83. 22 47 50 83 ou au 01 23 18 48. 01 23 18 48. Rendez-vous pour la première soirée le mercredi. Très bien. 9 octobre à l'hôtel communal de Cocody. Venez aussi vous inscrire pour l'école du ministère, le déjeuner au premier étage de l'hôtel communal de Cocody. Très bien. Que merci Dieu à vous. Nous bénisse et bénisse la Côte d'Ivoire. Amen. Madame Diafouka, madame, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable communication à Archibat. À Axe Marketing, qui est organisateur du Salon de l'architecture et du bâtiment, Archibat. Très bien. Ok. Donc, en fait, aujourd'hui, je suis sur ce plateau ce midi pour vous annoncer l'ouverture de la 4e édition du Salon de l'architecture et du bâtiment, qui se tiendra toujours sur le même site, à l'Hôtel Ivoire, sur le bâtiment de l'ex-UPU. Donc, le salon sera ouvert à partir de lundi. Et durera 6 jours. Le salon dure du 7 au 12 octobre. Donc pendant 6 jours, on aura vraiment l'ensemble des professionnels de la construction, du bâtiment, de l'aménagement, de la décoration, qui vont encore une fois se donner rendez-vous pour proposer de nouvelles offres à tous les visiteurs. Alors, ce salon est placé sous le parrainage du ministre de la Construction, de l'assainissement, du logement et de l'urbanisme, M. Mamadou Sanogo. Et justement, pour cette édition, le thème de Archibat 2013, c'est « Habiter autrement ». Donc, habiter autrement, qui est vraiment au cœur de la problématique de la construction durable. Donc, on aura pour décliner ce thème des conférences, dont une conférence thématique sur le thème du salon Habiter autrement, qui se tiendra le mardi 8 octobre à 15h sur le site du salon. Donc, j'invite également toute la population à venir participer à cette conférence et à pouvoir comprendre toutes les déclinaisons de habiter autrement, habiter plus dense, habiter contemporain, habiter collectif, habiter durable. C'est vraiment tous ces aspects qui seront débattus avec des conférenciers de taille, alors, dont le président de l'Ordre des architectes. Moi, je suis Madame Tout le monde. Oui. Je vous écoute parler, mais je ne me sens pas concernée. Ce que j'aimerais savoir... J'ai économisé toute une vie, je veux construire ma maison, j'ai acheté un terrain en grès et tout, et je voudrais construire. Qu'est-ce que j'y trouve? Alors, si vous voulez, en tout cas pour tous les projets de construction, les visiteurs, la population est concernée. Parce que cette année, sur Archibat, on a des opérateurs immobiliers qui viennent proposer des maisons, des programmes immobiliers innovants. Surtout que cette année aussi, on s'inscrit dans le cadre en fait de la production de logements en grande masse que poursuit l'État de Côte d'Ivoire. Donc toutes ces opérations immobilières seront présentes pour vous proposer leurs offres. D'accord. Donc non seulement on a les opérations immobilières, mais on a aussi des aménageurs, des architectes d'intérieur pour apporter des solutions à tous les aspects en fait. Et les banques pour financer. Les banques également sont présentes pour financer les projets immobiliers. Et justement, c'est toute l'offre. C'est vraiment toute l'offre
du bâtiment et de la construction qui est représentée sur Archibald. D'accord. Donc jusqu'à tous les visiteurs, jusqu'à la décoration d'intérieur, d'intérieur, les finitions, etc. D'accord. Et cette année, il y a aussi deux innovations. Vous allez conclure avec, s'il vous plaît. Il y a deux innovations. Abidjan Now, qui est un salon sur le design parrainé par le ministère de la Culture. Mm-hmm. Donc les visiteurs pourront également découvrir tout le mobilier d'intérieur, le textile, le packaging présenté par des designers ivoiriens, mais aussi étrangers. Donc Archibald, c'est du lundi 7 au samedi 12 octobre de 8h à 19h. Il y a d'accord. des restaurants également sur le salon pour pouvoir merci prolonger madame. La visite. De les téléphone. Contacts oui. 22 41 33 94 mm-hmm. 22 48 50 38. Merci. On peut reprendre s'il vous plaît le téléphone. 22 41 33 94 22 48 50 38. L'invitation ? Bah, je vous invite à venir Je vous invite à venir visiter le salon. Déjà à partir et les personnes de... qui n'ont pas cette chance peuvent y aller spontanément ? Oui, l'entrée d'accord. est payante, mm-hmm. elle est à 2000 francs CFA, d'accord. mais avec le carton d'invitation, l'entrée est gratuite. Donc toute la population est d'accord. invitée. Voilà. Très bien, merci. Je vous remercie. Donc on rappelle que ça commence quand ? Comment ? Ça commence quand ? Ça commence le 7 à partir de 14h pour le grand public. Très bien. Voilà. Je vous remercie. Du 7 au 12, 6 jours pour vraiment bénéficier de toutes les offres de construction, de promotion, de décoration et de design. Merci à vous. Merci bien. Monsieur Angelo Kabila. Bonjour à vous. Alors, c'est le concert de John Yale. C'est ça. Je pense qu'on est passé sur ce plateau pour véhiculer tous les messages tout nécessaires. Mmh. Je pense que John Yale n'est plus à présenter. Les tickets sont en train de partir comme de petits pains. Mmh. Nous, les Ivoiriens, nous aimons attendre la dernière minute. Mmh. Je suis sur ce plateau juste pour leur demander de courir vers les points de vente pour les derniers tickets. Mmh. John Yale, il était au Temple Live Discothèque hier. Vous comprenez bien que je n'ai pas pour habitude de porter de paires de lunettes sur ce plateau, mais hier, la fête était... Ah, je crois que c'est le nouveau style. Hein. Non, ce n'est pas du tout un style. C'est la fatigue. Le visage qui ne répond plus aux critères de beauté, parce que hier c'était John Yale, c'était électrique, c'était... Ce sont les images que l'on voit ? Ah oui, c'est ça, c'est John hier au Temple Life Discothèque qui a fait vibrer tous ceux qui ont fait le déplacement. Mm-hmm. C'était, comme je l'ai dit, électrique, c'était le mini-show avant celui de samedi. Samedi, okay. ça va être la folie, John Yale sera en contact avec son public. Et il a pour habitude de dire, quand je suis en face de mon public, c'est comme si je n'étais plus moi-même. Je sortais d'accord. de moi et que c'était un esprit qui était présent. Mm-hmm. Donc c'est demain. C'est pas après-demain, c'est demain. Demain au Palais de la Culture à partir de 18h. Je demande à tous les férus de Zézé Pop, à tous les férus de la pop musique, à mm-hmm. tous ceux qui aiment John Yale d'être présents déjà à partir de midi. Parce que ça va être chaud. D'accord. Nous attendons 10 000 personnes. Nous sommes déjà à peu près à 8 000 tickets qui sont déjà partis. Mmh. Et c'est pourquoi 5 000 vous, francs. Pourquoi vous attendez combien de personnes ? À peu près 10 000 personnes. 10 000. D'accord. À peu près 10 000 personnes. Nous n'avons pas voulu déborder. C'est vrai que John Yale a des fans qui vont au-delà de ce chiffre-là. Mmh. Mais bon, nous avons voulu bien faire les choses, circonscrire un chiffre. Et les tickets, vous avez dit ? 5 000 francs et 10 000 francs dans les points de vente habituels. Mmh. Et nous les attendons. Nous les attendons. Qu'ils viennent discipliner, organiser. Le concert, John Yale sera sur scène à partir de 18h. D'accord. Nous les attendons déjà à partir de midi. Qu'ils d'accord. viennent nombreux. Ah, nous à partir allons... de midi. Ah oui, à partir de midi, nous voulons bien faire les choses. Très bien. Et il y a un espace gastronomique où les gens peuvent manger, s'abreuver, tout ça. Donc il n'y a aucun souci. Nous avons pris les dispositions sécuritaires, les dispositions pour que tout un chacun soit à l'aise pour pouvoir communier avec le chef. D'accord. Et comme on l'a dit, le chef va parler. Et quand le chef doit parler pour une fois, il faut que tout le monde soit là. Le téléphone ? Le téléphone, c'est le 07 19 2x99 au Palais de la Culture à 18h demain. John Yale et son orchestre au grand complet. Merci Angelo Kabila. Merci beaucoup. Alors, DJ Trésor, oui. bonjour à vous. Bonjour. Ronald Le Neuf, bonjour. Bonjour. C'est le spectacle de Ronald Le Neuf au Maquis Atlantis. Oui, c'est ça. On vous écoute. Au Maquis Atlantis, situé au carrefour Ayopougon, mm-hmm. précisément au carrefour Ayokodrome, Niangon Sud, à gauche. Mm-hmm. Voilà, c'est un spectacle inédit à notre père, à nous tous, notre père, Ronaldo NF, Papa Nandelvi, le maître des mélodies, voilà, qu'il a préféré faire comme ça à tous ses fans mm-hmm. et à tous ceux-là même qui aiment Ronaldo NF.
D'accord. Alors, Ronald Donner, vous avez un appel à lancer à vos fans? Oui, c'est pour ce soir, à partir de 20h, c'est l'autre côté. Voilà, avant tournée de Ronaldo R9, parce que je pars lundi, j'appelle tout le monde, venez nombreux, parce qu'aujourd'hui, ça sera vraiment, je ne sais pas comment dire, mais c'est Dieu qui est fort. Mm-hmm. Voilà. Mais je préfère faire un acapella rapidement. C'est ce que j'allais vous demander, allez-y. Allez mon ami, yo yo yo, ah, R9 et Ronaldo, yo yo yo, ah. Mais quand tu as l'argent, il faut bien t'habiller. Et quand tu as trop de sous, yo yo, il faut bien t'habiller. Il y a des chéris qui te regardent, il y a des amis qui t'aiment, il y a la famille qui est là. Il faut les oublier. Là, tu vas voir les sourcils noirs. C'est la science. D'accord. Là. Et c'est où là, le maquis d'Atlantis? Le maquis d'Atlantis est situé à Yopougon, précisément à Niangon, sud à gauche, au carrefour, à Locodrome. Voilà. Et le monsieur, qui est-ce? C'est le manager à Didier Trésor que je suis, déjà amiral. Mm-hmm. Voilà, c'est une famille, c'est un staff. Mm-hmm. Et on fait tout pour l'avancement de la musique ivoirienne, c'est comme ça. D'accord. Quel est votre mot de fin avant les téléphones? Le mot de fin, c'est que tout le monde se déplace parce que vraiment, aujourd'hui, ça sera vraiment du show. Mm-hmm. Il faudrait que tout le monde vienne au maquis Atlantis, voilà, la mère, la maison mère, mm-hmm. vienne s'amuser à fond, se défouler parce que le père des mélodies, il est là, Ronaldo NF pendant des vies. Ça va vraiment cantonner. D'accord. Voilà, ça va cantonner. Très bien. À partir de 20h ce soir? À partir de 20h. 20h GMT. Maquis Atlantis. Maquis Atlantis. Des téléphones, monsieur? Le numéro de téléphone, c'est le 47 83 12 90, le 03 33 09 99 et le 01 74 68 51. D'accord. Voilà. On peut reprendre? Le 49 et 47 83 12 90. Les 03 33 09 99 et le 01 74 68 51. D'accord, je vous remercie. Et puis plein succès. Merci en tout cas. À vous. Et j'ai remercié mon manager JG Grec, l'esprit de Scarabée. Coucou à toi. Merci. Que Dieu te bénisse. Dijan Akonda et tout le grand staff, M. Soro Atlantis. Merci à vous. Merci à vous. Alors, point final pour ce magazine, en tout cas pendant plusieurs mois. J'ai été ravie de vous entretenir du lundi au vendredi. Mais à partir de lundi prochain, vous allez retrouver Mme Da Silva Caroline le lundi, mardi, mercredi, comme à l'accoutumée. Et moi, ce sera jeudi et vendredi. Donc, rendez-vous est pris pour le magazine du lundi au vendredi, c'est vrai. Mais moi, en ce qui me concerne, ce sera jeudi prochain. Je vous remercie. Bon week-end. Et d'ici la semaine prochaine, prenez soin de vous et des autres. Au revoir. Sylvain Koumoué, c'est la quand elle danse, c'est tellement joli à voir. Elle va sortir la démarche. Vital, je suis calé. Pour qu'on t'appelle la Beyoncé d'Afrique. Y'a pas problème. Allez, tourne, terré. Seigneur, sur la démarche. Montre-le encore pourquoi t'appelles la Beyoncé d'Afrique. Voilà ça. Allez, tout derrière. Allez, sur la démarche encore. Il y a du Carlos. Titina. Y'a guitare, y'a percussion, tam tam, sur la démarche. Allez, sur la démarche. Sur la démarche. Allez, sur la démarche. Piano maintenant, hey. Piano, hey. Piano. El Panturro de la Pantarana Cuista. Mélodie. Je veux danser. Moi, je veux danser.